Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne Démaille et moi. Je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode numéro 72 qui sera aujourd'hui un épisode de podcast avec majoritairement ou quasi non majoritairement du tricot et un tout petit peu de crochet. Donc si jamais vous arrivez par là ou sur cette chaîne pour la première fois. Moi, je suis Christelle, c'est moi qui viens papoter avec vous d'art créatif, semaine après semaine, les mardis et les dimanches, soit sous forme de podcast tricot, voilà, comme aujourd'hui, soit sous forme de vlog créatif ou de hors-série créatif, comme les mercredis, ou comme mercredi dernier. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver ici sur YouTube où je viens vous parler de plein de choses et je vous montre plein de choses. Je vous montre aussi beaucoup de choses sur Instagram où vous pouvez me retrouver avec le même pseudo, à savoir Démaillez-moi. Voilà, Instagram où je vous partage l'humeur du moment, le projet du moment, tout ce que je trouve intéressant. Et alors je suis pas tous les jours sur Instagram, mais quand j'y suis, je me laisse influencer, comme d'habitude. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry, où je documente mes fiches projets. Je mets rarement des photos, mais je documente voilà, ce que je fais. Et je publie mes patrons, parce que à mes heures perdues, je design. À la vie, on va dire plus normale, je ne suis absolument pas une créative, puisque je suis tout simplement quelqu'un qui négocie des contrats. Donc pas quelque chose qui soit forcément passionnant ou créatif, et donc forcément je cherche à m'échapper dans le domaine créatif, ou du moins à libérer la pression, puisque pour moi le tricot ou le crochet ou d'ailleurs la couture, c'est ce qu'on appelle, enfin ce que moi je vais appeler ma tricothérapie. C'est un mot que j'ai entendu sur la chaîne de Miss Manu au naturel, où elle disait que le tricot c'était sa tricothérapie. Ben moi c'est pareil, j'ai besoin d'art créatif pour garder un équilibre entre la vie trépidante et parfois intense du côté professionnel ou du côté personnel, et le côté créatif qui me permet de m'évader. Et puis m'évader avec vous aussi, accessoirement. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Aujourd'hui, je porte un objet fait main qui est un tricot. Un gilet que j'ai fait il y a quelques années maintenant, je ne sais plus exactement, qui est un gilet de la designeuse Marie-Amélie Design, qui est un patron qui est disponible... Marie-Amélie Design, le patron s'appelle Sirva, et c'est un patron qui est disponible gratuitement sur Ravelry, dans différentes langues, dont le français. Un patron qui est gratuit, puisque Marie-Amélie Design a arrêté son activité de designeuse et qui a eu l'immense, et elle a eu l'immense générosité de nous laisser à disposition tous ses patrons. Donc c'est un gilet que j'avais réalisé dans une laine, je me souviens encore plus la base, mais d'une laine de chez Dererum Natura, dans une épaisseur fingering. C'est la base qui comprend 90% de mérino d'Arles et 10% de soie. Et c'est le coloris Belle Étoile, il me semble. Donc c'est un gilet qui est bien sympathique, en rond, avec de la texture au niveau du corps et une grande bande de torsade au niveau de chaque devant. Hop, avec un petit col V. Mais c'est un gilet que je ne fais pas. En fait, mes gilets, je ne les porte pas fermés. Les manches ont la particularité d'être en jersey envers. Par contre, Marie-Amélie, elle a eu pitié de nous dans son patron, puisqu'elle nous fait tricoter les manches à l'envers et après, elle nous les fait retourner. Donc, en fait, vous tricotez à l'endroit. Bon, alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses, comme d'habitude, parce que vous savez que je suis une pipelette. J'ai plusieurs objets à vous montrer. J'ai notamment un objet terminé.
J'ai un nouvel en cours. On va parler de mini-cales, puisque je me suis rendu compte que je suis dans la folie des mini-cales en ce moment, parce que je fais des mini-cales avec tout le monde, chacun avec une ou deux personnes, j'adore ça d'ailleurs. Et puis on va parler d'objets en cours, puisque j'en ai quelques-uns, et de nouveaux projets. J'ai un nouveau projet à vous montrer, où je suis fan. Mais alors, je suis fan de tout, du modèle, de la façon dont c'est écrit, de la laine que j'ai choisie, de la couleur que j'ai choisie. Oh, mais c'est magnifique. Bon, bref, je vous en parle. Mais avant de démarrer, je voulais vous parler d'un livre. Alors, un livre que je vais pouvoir vous montrer maintenant, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer plus tard, puisque c'est un livre que je vais offrir à ma petite nièce, qui a décidé de se mettre au crochet. Donc, pour Noël. Alors, oui, pour Noël. Ok, on est fin janvier. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, coucou tout le monde, pour ceux qui savent, nous on a fêté Noël avec une partie de la famille à la période de Noël, et puis après la vie aidant, et puis le problématique des plannings de chacun d'entre nous fait qu'on fêtera Noël avec ma famille ce dimanche. Tout va bien, on fête Noël fin janvier. Je crois qu'on n'a jamais fait aussi tard. Bon, bref, du coup, j'ai encore entre mes mains un certain nombre de cadeaux que je vais offrir. Et donc, je vais offrir un cadeau pour ma petite nièce qui a décidé de se mettre au crochet. Ça y est, je raccroche les wagons. Et donc, dans son cadeau, je lui ai offert une petite trousse avec tout un jeu d'accessoires de crochet de différentes tailles et des petits accessoires. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est surtout que je lui ai pris un livre avec des petits modèles au crochet. Ma petite nièce, à qui je fais des gros bisous, si tu passes par là, Emma, parce que normalement, quand cette vidéo sortira, tu auras reçu déjà le paquet, donc maintenant je peux le montrer. Ma petite nièce, plus tard, elle veut être pâtissière. Et donc, je me suis dit, quoi de mieux que d'associer le monde du crochet, dans lequel elle veut se lancer, au monde de la pâtisserie, qui est celui dans lequel elle veut faire son métier. Et j'ai trouvé ce tard adorable livre qui s'appelle Adorable pâtisserie au crochet de, donc la designeuse c'est Socroche, et c'est aux éditions Mango. Je vous le mettrai dans la barre de description parce que franchement ce livre là, si ça n'avait pas été pour elle et si ça n'avait pas été un cadeau, je l'aurais gardé pour moi tellement je le trouve trop beau. Donc à l'intérieur vous avez tout un tas de petites pâtisseries qui sont faits au crochet, et alors j'adore, en fait je crois que je les aime tous. Donc vous retrouvez les petites tartelettes aux fruits, avec même la version où vous avez la tarte, vous savez, avec la pâte par-dessus. Vous avez la charlotte aux fraises, enfin la charlotte aux fruits, ainsi que le fraisier. Ça trop génial. En fait, je suis excitée d'avance à l'idée qu'elle puisse le découvrir. Vous avez toute la partie avec les choux, donc les éclairs et les religieuses. Vous avez une série de macarons, donc en version petit. Oh, je rêverais trop de faire ça. Une boîte de faux macarons. Et après, vous avez le gros macaron qui est fourré avec les framboises à l'intérieur. Vous avez la version millefeuille et les petits gâteaux, les petits sablés. Ensuite, les petits palmitos, là, les palmiers, ouais, palmiers, mais aussi les pancakes. Et sur les pancakes, vous avez la boule de glace, les petits kiwis, les petits fruits et tout ça. Donc franchement, c'est génial. Ensuite, vous avez la version gâteau arc-en-ciel et la tarte au citron. J'adore les tartelettes que je vous ai déjà montrées. Alors dans les tartelettes, vous pouvez la faire en version framboise, mais en version myrtille ou mûre. Enfin bon, bref, et derrière vous avez toutes les explications que je ne vais bien sûr pas vous montrer, voilà. Et je trouve ça génial et je suis d'autant plus fière du cadeau que je lui ai trouvé parce que j'ai pu associer effectivement ces deux, sa passion et j'espère, passion débutante. Donc voilà, un livre que j'ai trouvé, je vous mettrai le lien en bas dans la barre de description. Je pense d'ailleurs que je me demande si je ne vais pas me le racheter pour moi parce que je me ferais bien toute une petite série là de dinettes... et de pâtisserie, je trouve ça trop mignon. Bon, donc voilà, c'est ce qui est rentré. Alors c'est pas tout à fait rentré dans mon stage puisque ça rentre pas dans mon stage, mais ça a un lien avec les projets créatifs. Je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler. Bon,
Et bien maintenant, on va parler projet, puisqu'on est dans un format de podcast. Je vous rappelle, podcast, c'est je viens vous voir de manière traditionnelle, je vous parle d'objets terminés, de projets en cours, ou d'ouvrages en cours, et puis on papote autour de comment ça se construit, quel lens utilisé, et puis après parfois je me disperse, et puis comme là maintenant par exemple. Alors que les vlogs, c'est vraiment des partages de vie quotidienne créative. Donc deux formats différents. Parfois il y a un petit peu de choses qui se marchent un peu sur les pieds, mais j'essaie de vous le garder bien séparé pour que vous ayez à chaque fois un petit peu de surprise, un petit peu de suspense. Allez, maintenant, je crois que j'étais pas trop mal en introduction cette fois-ci. Je suis bien Christelle, bien, pas trop long. Donc du coup, je vais passer tout de suite à l'objet terminé. Tiens, on va commencer par un objet terminé dont je suis fan. Je crois que je vais m'en refaire un pour moi aussi. Allez, je vous dis à tout de suite avec cet objet terminé. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors, cet objet terminé de cette semaine, c'est un projet au crochet. Un projet que j'ai réalisé selon un patron de chez Mel Aline, qui est une designeuse de petits amigurumi au crochet et qui commercialise ses patrons sur Etsy, il me semble, et sur Ravelry. Je ne sais pas si elle est sur Ravelry, en tout cas, moi je les avais achetés sur Etsy. Donc, c'est un patron que j'ai réalisé au crochet pour un petit bébé qui va venir rejoindre notre famille courant du deuxième trimestre, quelque part pendant le printemps. Donc j'ai encore le temps, mais je me suis dit qu'il était temps pour moi de commencer à réaliser sa petite boîte de naissance. J'ai vraiment pris l'habitude de tricoter ou de crocheter pour les petits, et je sais que la maman à qui je vais l'offrir, pour la maman du futur petit, est très sensible au projet fait main, donc je suis absolument ravie. Alors ce projet, je l'ai réalisé dans des cotons de chez Rico Rumi, qui sont des cotons en épaisseur déca, que j'aime plutôt pas mal, mais qui ont la particularité d'être assez mat. Donc c'est chouette, mais j'avoue avoir une préférence pour les cotons mercerisés un petit peu plus brillants. En tout cas, c'était le coton qui était préconisé par le patron. Donc ce patron, il s'appelle Chouquette et Mélia. Chouquette étant une petite coccinelle, Mélia étant une petite abeille. Alors certainement que je ferai la seconde par la suite, mais là en l'occurrence je n'en ai réalisé qu'une. J'ai décidé de faire le modèle de l'abeille, mais avec des coloris en fonction de ce que j'avais dans mon stock et ce que j'avais envie d'utiliser. Donc je suis partie. Et alors vous m'en voudrez pas, mais les coloris, ils seront peut-être un petit peu aléatoires parce que je ne sais plus l'étiquette qui va avec. Donc c'est Rico Rumi, j'ai réalisé le corps dans ce coloris là qui est une espèce de crème, beige crème. Ensuite, enfin du moins la tête et les bras dans ce coloris là, le corps, j'ai fait une association de deux couleurs. La première étant un vert anis, quelque chose d'assez fou, assez pastel, auquel j'ai associé un coloris caramel beurre salé. Je crois que j'ai faim. Caramel beurre salé et menthe, voilà, menthe fraîche. Pour réaliser le corps, j'ai trouvé que c'était assez doux pour un bébé, et comme on ne sait pas encore si c'est une petite fille ou un petit garçon, j'ai voulu rester dans des choses assez neutres qui pouvaient passer pour les deux. Alors on est d'accord que on peut mettre du rose pour les garçons et du bleu pour les filles. Mais là, je me suis dit, allez, on reste dans du total neutre, jaune, rose, jaune. Si jaune, vert, hein, on est d'accord, vert, pas rose, vert ou marron, enfin voilà. Et la troisième couleur, parce que je voulais quand même rajouter un tout petit peu, une petite touche, on va dire de mignonnerie, je suis passée dans une espèce de couleur un peu nude, donc un rose pêche, voilà, pêche, pour aller avec ces couleurs-là. Et donc, je suis partie sur une association de ces trois couleurs, plus un petit neutre. Et donc, je vous montre que ça
ce que ça donne. Parce que je l'ai terminé. Regardez comme c'est pas mignon, ces petites beautés. Je suis super fière de moi et c'est assez rapide à réaliser. Je vous rappelle que moi je suis assez débutante hein, en amigurumi et au crochet de manière générale. Mais je progresse et je suis assez contente de ma progression. Alors toujours encore des difficultés en couture, mais je progresse. Donc c'est une pièce qui démarre par la partie haute sur laquelle vous venez crocheter en maille serrée en spirale pour réaliser le cou. Une fois que vous êtes arrivé au cou, donc vous arrivez à quasi terminer la première partie, donc qui est la tête, mais au moment où vous arrivez au cou, vous repartez dans l'autre sens. Donc ça, j'ai beaucoup aimé sur ce patron parce que finalement, le corps, la tête et le corps sont réalisés en une seule pièce. Et ça me convient à 100%. Très peu de couture sur ce projet-là, hormis les bras et les pieds. Et puis la petite collerette, et puis les petites antennes, mais tout le corps est réalisé en un seul morceau. Donc une fois que vous arrivez au niveau du cou, elle vous fait broder le visage. Et ce visage, elle vous donne une grille pour vous dire exactement à quel point, à quelle hauteur et combien de fois vous devez passer votre fil pour pouvoir réaliser cette petite mignonnerie de visage. Ensuite, vous passez sur le corps sur lequel moi j'ai appris à faire des rayures, donc à changer de fil. Donc c'est bien parce que j'ai vraiment perfectionné ma technique, savoir comment on change le fil, comment on fait, comment on l'attache dedans. Les patrons de Mélaline sont très bien écrits et il y a beaucoup d'aide pour comprendre comment on fait les gestes techniques. Donc ça m'a aussi beaucoup appris là-dedans. Une fois que vous avez fini cette partie et que vous avez refermé l'ensemble, et que tout est rembourré, elle vous fait faire des petites pièces supplémentaires, en l'occurrence les antennes. Alors normalement les antennes, elles n'avaient pas tout à fait cette forme-là. Elles devaient être une espèce de rond fermé au-dessus, mais j'ai trouvé que ça faisait plus antenne si je les laissais ouvertes comme ça. Donc voilà. Là encore, elle vous explique exactement où il faut les coudre et comment faire en sorte que ça ne s'arrache pas. Parce qu'on est d'accord que c'est quand même sur un bébé qu'on est là, donc alors même si ça reste plus un objet de décoration qu'un doudou, mais voilà. Ensuite, elle vous fait crocheter quatre petites pièces qui sont les pieds et les mains et qu'elle vous fait coudre là-dessus. Donc, si maintenant je devais le refaire, je pense que je les crocheterais avant et que lorsque j'arriverai à l'endroit où elle nous a fait coudre, je les crocheterais ensemble pour qu'ils soient vraiment bien accrochés au corps. Alors ça marche pour les bras, je ne sais pas si pour les pieds ça pourrait être possible, mais bon, voilà. Une fois que vous avez fini de coudre tout ça, elle vous fait faire la collerette. Alors la collerette, j'ai adoré la faire. C'est trop rigolo à faire, c'est hyper facile. C'est une longue bande dans laquelle vous faites beaucoup, beaucoup d'augmentations et des brides. Donc là, j'ai pu perfectionner ma technique de bride, je suis hyper contente. Et après, vous venez tout simplement lui accrocher comme un collier autour du cou et vous mettez un petit coup de couture à l'arrière. Donc trop contente. Voilà pour ma petite Mélia, l'abeille, qui n'est pas tout à fait une abeille, on va dire que c'est Mélia, le papillon qui n'a pas encore ses ailes. Allez, Mélia, le papillon qui n'a pas encore ses ailes. Donc j'avais demandé à Sophie, au fil de la ruche, de la chaîne Au fil de la ruche, à qui je fais un gros bisou, si les abeilles pouvaient être vertes. Elle m'a dit ouais, vas-y, les abeilles, elles peuvent être vertes aussi. Et comme elle est apicultrice, Sophie, moi je crois ce qu'elle m'a dit. Donc effectivement, j'ai fait une abeille et c'est une abeille verte et ça existe. C'est beau hein, d'y croire. Donc je voulais vous montrer aussi mon matériel. Je voulais en profiter parce que je suis très contente. Au début, quand j'ai commencé à crocheter, j'avais pas mal de difficultés. J'avais beaucoup de douleurs dans les bras, dans le poignet notamment, et dans les doigts. Parce que je suis débutante, donc je suis hyper tendue sur mon crochet. Donc voilà. Et certains d'entre vous m'ont préconisé de crocheter avec la marque Etimo. Et donc, j'ai investi dans un kit qui ressemble à ça. Et donc, je suis hyper contente. C'est un kit Etimo dans lequel vous avez une trousse, forcément. Hein, et vous avez les différentes tailles de crochets assorties. Donc, les Etimo, ils existent en rose ou en gris. Moi, j'ai choisi de les prendre en gris parce qu'ici, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais ça brille. Il y a des paillettes. Donc dedans j'ai tous les crochets de la taille 2 mm, donc il y a un crochet 2 au crochet
comme je suis un peu débutante, je ne sais pas, crochet 10 qui va donc jusqu'au 6 mm. Vous avez aussi donc tous les tailles de crochet. Vous avez un petit ciseau bien pointu et tout. Vous avez tout un tas de petits accessoires, donc des aiguilles à fil, donc deux tailles d'aiguilles et puis un petit mètre ruban. Et tout ça, c'est protégé à l'intérieur d'une trousse qui est bien pratique et qui est bien élégante, je trouve. Donc, qui se ferme par un petit fermoir. Voilà. J'avais acheté exactement la même à ma maman. Donc moi, c'est mon matériel de crochet. Et depuis que j'ai ça, eh bien, j'ai plus mal au poignet. Et donc, ça me convient parfaitement. Donc voilà, en ce moment, j'ai envie de faire un peu plus de crochet. Mais si j'étais un peu raisonnable, je finirais mon ours. Comme j'ai pas été raisonnable, et puis que j'ai trouvé une bonne excuse pour questionner quelque chose de nouveau, et ben j'ai fait une abeille papillon. Voilà, une abeille de pas la bonne couleur et un papillon qui n'a pas encore ses ailes, grosso modo. Hein. Donc voilà, je vous le recommande ce petit patron, il est bien facile et accessible aux débutants, validés. Et franchement, ils sont tout choux, hein. Voilà. Mention spéciale pour la petite broderie sur le visage qui fait tout ça une vraie petite mignonnerie. Donc voilà, pour l'objet terminé de cette semaine. Et maintenant, j'ai envie de vous parler d'un nouveau custom. Ah oui, cette semaine, en fait, j'avais envie de commencer des nouvelles choses. Je me suis retenue, mais il y en a quand même un qui est passé entre les mailles du fil. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Alors, ce nouveau keston, je l'ai pour l'instant dans un petit pochon avec des petits kangourous dessus. Un pochon que normalement j'utilise pour mettre mes projets chaussettes. Mais comme il s'agit d'un châle à un écheveau, eh bien, je peux utiliser un sac à projet de petite taille. Donc, c'est pratique. Alors, j'ai décidé de rejoindre... Elodie de la chaîne A Knitting Journée ainsi que Lucie de la chaîne Les Péripéties d'une Belette pour tricoter en espèce de mini cale. En fait, c'est un petit peu le thème du moment. Hein. Je tricote avec des tricopines, des projets, mais alors en petit cale parce que s'il y a trop de monde, il y a trop de discussions et du coup, je me perds. Et comme j'ai déjà du mal à suivre en ce moment, à m'organiser, donc je préfère faire ça en plus petit groupe. Et donc, j'ai décidé de tricoter avec elle le châle Monarque. Patron de Laine Poudrée, à qui je fais un bisou. Si tu passes par là, Laura, je te fais un gros bisou. Je prends beaucoup de plaisir, sache, à tricoter ton projet. Donc, châle Monarque, qui est un châle qui normalement se tricote avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et qui se tricote en aiguille de 4,5. J'avais, il y a quelques temps, acheté une nouvelle base de chez l'atelier teinture, donc Jessica. Passe ici de temps en temps, hein, donc je te fais un gros bisou Jessica, une base qu'elle m'a fait découvrir lors de ma visite à Bretzlen l'année dernière, une base qui s'appelle Délicatesse. Et alors je peux vous dire, c'est une vraie délicatesse cette base là. Donc on est sur une base single dans un mélange de 56% de mérino et 44% de mohair. On est sur une épaisseur théorique de fingering, 360 mètres au 100 grammes, donc un peu plus épais qu'une fingering. Et le coloris ici, j'ai oublié de vous le dire, moi j'ai choisi de tricoter le coloris coquelicot. Alors coquelicot, on s'attend à un rouge. Et bien vous allez avoir du rouge. Rouge qui est dans ma zone de couleur que j'aime. Alors je vais pas dire zone de confort, parce que vraisemblablement ça embête certaines d'entre vous, donc je vais essayer d'utiliser autre chose. Je ne vais pas aller sur ma zone de confort, je vais aller sur les couleurs que j'aime. Vous m'avez rarement vu tricoter du rouge, tout simplement parce que je n'avais pas forcément trouvé le bon projet, mais dans ma maison, il y a des touches de rouge par-ci, par-là, donc c'est une couleur que j'apprécie énormément. D'autant plus, alors j'espère que ça rendra bien à l'écran, mais d'autant plus quand c'est un rouge intense. Eh bien non, ça ne rend pas du tout à l'écran. Donc, vous voyez un rouge très vif, mais on est sur normalement un rouge très profond, à la limite du bordeaux. Enfin, pas à la limite du bordeaux, mais vraiment un rouge profond et sombre. Et là, vous voyez un rouge vif. C'est ce que je m'y attendais un petit peu. Hein. L'écran ne va pas forcément vous redonner les bonnes couleurs. Mais j'ai décidé de choisir, voilà,
un bon rouge pour avoir une étole, un écharpe, un foulard de ce châle monarque en rouge intense. Et comme je suis blonde, eh ben le rouge, ça va bien au blonde. Là, vous avez presque la bonne couleur. Donc, ce châle monarque, normalement, si vous avez suivi mes explications, c'est tricoté en 4,5. Et c'est tricoté en épaisseur déca, puisqu'on est sur un fil de mohair, un fil de fingering plus un fil de mohair. Moi, je suis partie sur une fingering un peu épaisse, et donc forcément, j'ai dû adapter ma taille d'aiguille. Je vous entends déjà derrière votre écran dire « Mais Christelle, il va être tout petit, ton châle !» Ben, je vais m'adapter, vous inquiétez pas. Donc déjà, pour m'adapter, ben, au lieu de passer sur des aiguilles de 4,5 et éviter que mon châle soit complètement déjaugé, je suis descendue en aiguille de 3,75. Alors le principe du châle monarque, c'est un châle qui va d'abord faire des augmentations, puis après insérer une dentelle au milieu, tout en restant tout droit. Donc moi, ce que je vais faire, comme la dentelle est bien au milieu, c'est que je vais adapter la largeur de mon châle jusqu'à ce que ce soit la largeur qui me convienne au niveau de l'épaisseur. Et la longueur, par contre, ça va tout simplement dépendre de quand est-ce que j'ai envie de m'arrêter. Parce que j'ai un écheveau que j'ai bobiné et j'ai un écheveau en réserve au cas où, si mon châle est trop petit. Donc, j'ai un plan pour pouvoir adapter la largeur et j'ai une sécurité si jamais il n'est pas suffisamment. Donc, pas de risque, Christelle. Zéro risque. Donc, je vous montre parce qu'il s'agit uniquement d'un début. Mais par contre, avant de vous montrer, je vous recommande cette base. Franchement, c'est doux, moelleux, c'est de la douceur à l'état pur, c'est super agréable à tricoter. Alors, on est sur une single, donc il y a un drapé qui est super chouette, on est quelque chose d'hyper doux, ça pique pas, c'est hyper, hyper satisfaisant. Voilà. Et donc, forcément, je prends hyper beaucoup de plaisir. Je vous le montre et après, je vous parle du patron, parce que là aussi, plaisir à l'état pur. Donc, je suis au début. Donc, le châle monarque, il débute par le bas, ici, avec un montage en I-cord. Et alors ça, j'ai adoré faire, et ça fait une super finition. Alors, vous allez voir du rouge vif, tant pis, hein, mais ça fait une super finition. Vous voyez, l'I-cord, il est en arrondi autour du début. Donc, vous démarrez en I-cord, vous avez une partie avec du point mousse à l'intérieur, et puis, vous, très rapidement, l'oral nous fait incrustir. C'est dommage, parce que ce rouge, passe pas bien à la caméra, elle vous incruste ici un petit motif qui va ensuite se séparer en deux et donc vous allez retrouver le motif à droite et à gauche du châle. Arrivé à ce niveau-là, elle vous fait incorporer des côtes demi-torse. Voilà, des côtes demi-torse sur la partie centrale et donc vous faites votre rythme d'augmentation avec les côtes demi-torse jusqu'à arriver à un certain moment et vous le voyez peut-être à l'écran mais je ne suis pas sûre que vous le voyez encore beaucoup, c'est ici, là, et bien on vient intégrer cette fameuse dentelle monarque qui je suppose est sur le thème du papillon monarque et donc que vous allez répéter au fur et à mesure là tout au long du châle. Donc un châle qui est à son début, on est d'accord. Mais qui demande un certain quand même niveau de concentration, donc j'en fais un tout petit peu tous les jours, donc c'est un châle qui va passer dans les micro-objectifs satisfactionnels, je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais en gros c'est je tricote ce sur quoi je veux vraiment vraiment avancer, qui devienne presque pas une obligation, mais sur lequel je me fixe des objectifs, et si j'ai terminé, alors je passe sur celui-là comme un bonbon récompense. Voilà, comme là, on est sur une laine toute douce, quelque chose que je vais prendre beaucoup de plaisir à tricoter, une couleur que j'adore, qui passe pas du tout à la caméra, mais que j'adore. Et franchement, vraiment, vraiment du gros plaisir. Je voulais vous parler du patron, parce que c'est la première fois que je tricote un châle de chez Laura, laine poudrée. Et alors, je vais vous recommander plus ce patron. Laura, elle vous prend par la main. En termes d'explication, vous avez des vidéos pour vous expliquer le montage qui est très bien montré, enfin qui est très bien expliqué. Vous avez, alors elle a poussé vraiment la perfection très très loin et franchement je suis admirative. C'est organisé par section, alors c'est disponible en français si jamais vous voulez pas tricoter. Je crois qu'elle l'a sorti aussi en anglais mais au départ c'est un patron français. Vous avez des couleurs différentes pour vous identifier si vous êtes à l'endroit
ou à l'envers sur votre ouvrage. Vous avez des explications ligne à ligne, mais aussi en diagramme. Et le diagramme, elle vous a mis deux diagrammes différents pour la même section, si jamais vous voulez vraiment avoir uniquement la partie centrale. Donc, en fait, au fur et à mesure que vous tricotez, ces parties-là, vous les retenez assez facilement et le niveau de... on va dire le rythme des augmentations et la petite dentelle que vous avez ici, enfin le petit point de motif, vous le retenez assez rapidement. Donc, si vous êtes une tricoteuse un peu expérimentée, cette partie-là, avant la dentelle centrale, vous la connaissez par cœur assez rapidement. Et donc, elle a poussé le niveau de perfection de vous proposer le diagramme complet, ou alors, pour les tricoteuses aguerries, de vous focaliser uniquement le diagramme sur la partie dentelle, ce qui fait que vous avez un diagramme qui est bien plus grand et facile à suivre. Donc ça, Laura, tip top. Ensuite, vous avez des cases à cocher, si jamais vous voulez suivre au fur et à mesure sur votre patron. Donc ça, plaisir. Au début de chaque rang, elle vous indique combien de mailles vous allez, si vous avez des augmentations, elle vous indique un petit plus pour vous signaler que sur ce rang-là, attention, il y a des augmentations. Et enfin, vous avez le nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles au fur et à mesure du projet. Je crois que j'ai rarement vu un patron aussi abouti, aussi pensé pour les autres, pensé pour la tricoteuse. Donc Laura, je ne sais même pas comment te dire, ton patron, c'est de la bombe. C'est magnifique, sublime, hyper agréable à tricoter. Donc, je vous le recommande. Franchement, à 100%, lancez-vous sur ce châle monarque. Il est vraiment trop, trop bien. Et alors maintenant, j'attends de voir le projet fini. Mais pour l'avoir déjà vu en vrai, puisque j'avais eu la chance de pouvoir rencontrer Laura lors de ma visite à Bretzlen, et j'avais pu voir ce châle monarque tricoter, et je sais que ce sera un très bel ouvrage. Et donc, j'ai hâte de pouvoir avancer et pouvoir vous en montrer un peu plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet-là. Maintenant, on passe à la suite. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Allez, on va parler... Qu'est-ce qu'on parle maintenant? Allez, on parle chaussettes. Allez, on parle chaussettes. Every guy I met, we fell in love at a bad time. Allez, on parle chaussettes. Je ne vais pas vous parler de la même que la semaine dernière, hein, puisque vous l'avez déjà vue. Ouais, je vais alterner. Comme j'ai plusieurs chaussettes sur mes aiguilles, je ne vous parlerai jamais de la même. En fait, je vous en montre, puis après je vous montre une autre, et puis après je vous la montre quand elle est finie. Je vais essayer de faire ça, hein, pour pas que ce soit redondant. Alors cette fois-ci, aujourd'hui, je vous parle de ma chaussette auto-rayante de laine de mout que je tricote selon un coloris qui s'appelle Blizzard. Vous avez dit Blizzard, qui est issu d'une bulle de laine qu'elle fait de temps en temps. Donc vous recevez votre écheveau dans une boule que vous pouvez suspendre ou réutiliser à votre bon vouloir. C'était un de ces coloris dont le mood board est le suivant, que j'ai beaucoup aimé, et qu'elle avait livré en fin d'année, pendant la période de l'Avent, et que j'avais pris énormément de plaisir à ouvrir avec vous lors des Vlogmas. Donc on est sur une base mérino nylon, à hauteur de 85% mérino, 15% nylon. On est sur une base auto-rayante, c'est-à-dire qu'elle va faire des couleurs elle-même. La laine principale, je vous la montre, puisqu'on est sur un mood board et un coloris qui retranscrit, hein, les couleurs du mood board, du bleu plus intense, du bleu clair, du blanc pour la neige et du rose pour la maison, du fuchsia pour la maison. Et donc, de ce coloris Blizzard, vous avez dit Blizzard, j'ai été associée un rose plus clair pour reprendre un petit peu le principe du bleu clair, bleu foncé, bleu clair. Je vais prendre du fuchsia rose pâle. Et ce rose pâle, c'était un coloris de chez Tricot et Stitch. Le coloris fleur d'hiver, qui était le 17e coloris du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Le calendrier qui s'appelait Calm and Joy, calme et joie.
Et donc, il me reste un certain nombre de mini que je n'ai pas encore tricotés. Plus tant que ça, parce que je crois que je les ai quasiment tous tricotés, ceux de Christelle. En fait, au fur et à mesure, je les écoule. Et donc, voilà, j'ai décidé de tricoter une chaussette avec cette association de coloris principal et mini associé. Je suis partie sur une chaussette à la vanille que je tricote pour moi. Il y en aura quand même quelques-unes pour moi cette année. Hein. Vous savez que je tricote beaucoup pour mes hommes. Et j'ai oublié de vous le mettre sur un bloqueur, je reviens. Voilà, ce sera quand même plus sympa si je vous le montre sur un bloqueur. Hein. Alors voilà ce que donne la chaussette une fois tricotée. J'aime beaucoup. Il faudra encore que je la bloque. C'est une chaussette que j'ai décidé de démarrer par les côtes avec un montage en côtes alternées, qui est un montage que je vous ai décrit dans le premier indice du CAL 4 éléments. Vidéo qui restera sur ma chaîne. Donc je vous montre comment faire ce montage qui n'est pas un German Twisted Cast On, mais qui est un montage élastique qui ressemble un peu à un montage tubulaire, mais qui se réalise tout simplement et très facilement. Ensuite, eh bien, je suis partie avec un certain nombre de rayures en mode je tricote à la vanille, hein, donc je tricote en rond sans réfléchir. Quand je suis arrivée à la hauteur de tige que je souhaitais, j'y ai intégré un talon en rang raccourci en shadow wrap qui fait cette jolie finition, j'aime beaucoup. Et dont on reparlera mercredi, donc je vous rappelle, si vous l'avez oublié ou si j'ai besoin de vous le rappeler, mais je crois que voilà, que mercredi, à la place du vlog, vous aurez une vidéo spéciale talons de chaussettes, dans lequel on va parler d'un certain nombre, je ne sais pas si j'arriverai à les couvrir tous, et d'ailleurs je ne connais certainement pas tous les talons de chaussettes qui existent, mais on va essayer de passer en revue tous les talons de chaussettes que je connais, et de voir dans quelle situation utiliser lequel, quels sont les avantages et les inconvénients, et tout. Donc j'espère que ce sera une vidéo qui va vous plaire. En tout cas, vous êtes assez nombreuses apparemment à l'attendre. Ça permettra d'avoir un bon catalogue de talons à utiliser ou à ne pas utiliser. Une fois que j'ai fait mon talon en shadow wrap, je suis repartie sur un certain nombre de rayures, et ensuite j'ai fait une pointe légèrement arrondie, donc en modifiant le rythme des diminutions à ce niveau-là. Et ça, il faudra un jour aussi que je vous fasse un petit point sur les différentes pointes. Donc moi, j'y ai mis un talon ici en shadow wrap, tout simplement parce que je ne voulais pas contrarier le rythme des rayures. Je sais que moi, je n'ai aucun souci avec mon coup de pied ou avec mon pied pour les talons en rang raccourci, donc ça se prêtait parfaitement. Quand je vous ai quitté la dernière fois, j'avais fait une partie de la tige et je me posais la question de savoir quel type de talon j'allais mettre. Et donc je pouvais faire ce talon, enfin du moins différents types de talons en rang raccourci, puisque je ne voulais surtout pas perturber le rythme des rayures. Mais j'aurais pu passer sur un talon en boomerang ou un fish lip kiss heel. Finalement je suis partie sur un shadow wrap. C'est un petit peu ma folie du moment. Donc voilà ce que j'ai à vous raconter sur cette chaussette. Donc là maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de faire exactement la même chose pour faire la deuxième Madame Chaussette, pour aller ensemble et pour avoir une paire, une première paire pour ma boîte de bas. Donc je vais tranquillement, dans les prochains jours, ou peut-être ce soir, je ne sais pas encore, monter les côtes de ma chaussette, et puis après je ferai de la même façon, sans stress. C'est une chaussette à la vanille qui, elle, ne va être tricotée que quand j'ai besoin d'occuper mes mains, quand je suis dans du cerveau, quand je suis en mode maman taxi, maman attente à la sortie de l'école et tout ça. Donc ce qui devrait être le cas la semaine prochaine, puisqu'on a le correspondant, ça y est, je vous raconte ma vie, le correspondant de mon fils, qui est un correspondant allemand, qui va venir passer la semaine avec nous. Il va falloir qu'on aille le récupérer à la gare, que j'emmène mes garçons à droite, à gauche, faire les réunions avec les parents. Quand vous avez finalement 3 ados à la maison au lieu de 2, je sens que je vais passer ma vie en tant que maman de taxi. De toute façon, en ce moment, je suis maman à temps plein. Je ne fais que taxi, réunion, soutien, parcours sup, les matchs de handball. Misère. C'est pas grave. Du coup, ça me donne l'occasion de tricoter à droite à gauche dans ma voiture.
Donc voilà pour ce premier projet en cours de cette semaine. Non, deuxième projet, pardon. Oh là, ça y est, je suis complètement perdue. Voilà. En tant que bloqueur de mailles, mais pour l'instant, ils sont en rupture de stock, je crois. J'utilise ce type de bloqueur, pas bloqueur de mailles, bloqueur de chaussettes. J'utilise ce type de bloqueur qui sont des bloqueurs modulables. Parce que comme je tricote pour moi, pour ma fille, pas trop pour ma fille, mais pour moi qui ai une pointure, et pour mon fils qui fait une autre pointure, et mon fils et mon mari qui fait encore une autre pointure, et mon père qui a la même pointure que mon mari, c'est déjà pas mal, eh bien je me retrouve à devoir bloquer des chaussettes de différentes tailles. Pour éviter d'avoir plusieurs bloqueurs chez moi à la maison, eh bien j'ai un bloqueur qui simplement permet de se rallonger ou pas en fonction de la pointure que je fais. Lorsque je les bloque, vous voyez, il y a des tailles sur le bloqueur, hein, des pointures. Moi, je les bloque de pointures en dessous de la pointure réelle. C'est-à-dire que pour moi, je vais bloquer du 36 parce que je fais du 38. Pour éviter d'étendre trop ma chaussette et parce que j'aime avoir une aisance négative sur ma chaussette en termes de longueur pour m'assurer que ça tienne bien au pied. Donc mon mari qui fait un 42, je vais bloquer les chaussettes en taille 40 pour m'assurer qu'il y ait vraiment une bonne emprise et que la chaussette ne glisse pas. Après chacun fait comme il veut au niveau du blocage, mais moi j'aime bloquer mes chaussettes pas trop grandes pour éviter qu'il y ait trop de matière, enfin du moins de matière en trop. De quoi je vous parle maintenant? Je vous parle châle. Allez, on va parler Steven West. J'ai tellement bien avancé, j'ai trop hâte de vous le montrer. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Allez, je vous parle de mon Steven West et de mes péripéties de laine. Positif et 100% de ma faute. Alors, je tricote là aussi dans le cadre d'un mini-cal avec Géraldine, Mélanie de la chaîne Mélanie des Aiguilles Aventurières et Sophie de la chaîne au fil de la ruche. Je vais y arriver. Voilà. Les filles, des gros bisous. D'ailleurs, des gros bisous aussi à Lucie et à Elodie. Hein. Je tricote et alors je prends un plaisir fou, là aussi on est sur... En fait en ce moment je prends un plaisir fou dans tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Et je... Voilà, du bonheur en barre. Je tricote un modèle de Steven West qui a été publié en décembre. C'est le modèle qu'il publie chaque année à l'occasion de ce qu'il appelle le Hibernate Long. C'est-à-dire que c'est un châle qui normalement est monté le 26 décembre et qui est tricoté en cale. Moi, j'ai monté le mien début janvier, quand je suis revenue de Laponie, et donc j'ai décidé de le tricoter. Enfin, moi, j'ai le plaisir de le tricoter avec mes tricopines, dans le cadre d'un mini-cal. Alors, on avance plus ou moins vite. Sophie, elle est déjà rendue à la dernière section. Mélanie, elle est bien plus avancée que moi. Et puis moi, je suis un petit peu à la traîne. Avec Géraldine, là, on est à la fin. On est derrière, là, dans le peloton de fin. On fait voiture-balai. Voilà, voiture-balai... De ce mini-cal. Mais ça me va bien. Puis, de toute façon, je ne suis pas pressée. Je prends tellement de plaisir à le tricoter. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer totalement déplié parce que ça y est, on est sur un Steven West. Qui dit Steven West dit des mesures de la taille. Eh bien, oui, on est sur un châle à 5 échevaux. Alors, pas 5 échevaux 100% plein. Mais j'ai fait quelques petits raccourcis en ce qui me concerne sur les quantités de laine. Pas raccourcis dans le tricot, mais raccourcis dans ma pensée. Habituellement, Steven West, il nous fait, je vous fais un châle à 5 échevaux. Et quand vous avez tricoté votre châle, vous avez des restes énormes sur chacun des échevaux. Donc je me suis dit, allez Christelle, prends le risque. Tu prends des demi-échevaux, voire des restes et des choses comme ça. Bon, j'ai été un petit peu trop présomptueuse sur mes hypothèses étaient un petit peu fausses. C'est pas grave, c'est un châle qui se prête à toutes les adaptations et j'en ai fait l'expérience. Donc je vous montre châle Steven West. Après je vous parlerai des laines, de celles que j'ai encore et de celles que j'ai plus. Donc voilà où j'en suis de mon châle. Alors du coup à la caméra il passe pas bien non plus. Hein. Voilà, je vous le montre comme ça, ça sera plus simple. Donc c'est un châle en 2001 que je pourrais vous montrer bien correctement quand il sera fini, qui se démarre par ici et sur lequel vous avez une première grosse partie avec une première couleur. Et moi ma première couleur c'était un blanc,
de chez Laurel Knit. Et j'en ai pas eu assez. Donc, il a fallu que je réincorpore ici, à partir de là, dans la dentelle, des restes de langue Javol, des restes de je ne sais plus quel autre projet. Enfin bref, j'ai trouvé différents restes de fingering, mais on voit rien. Tout est comme si c'était bien caché. Donc vous faites une première... Alors j'aime beaucoup ce châle parce qu'en fait il est divisé en sections et chaque section est différente et chaque section a son petit quelque chose. Donc soit vous avez un changement de point, ce qui est le cas ici, vous voyez, première section vous faites des côtes brisées, deuxième section vous avez un point de granité, ensuite vous avez un point de gaufre, entre chacune des sections vous avez une séparation avec des points de gaudron. Ensuite, vous passez sur de la dentelle, qui m'a rendu chèvre. Et puis après, bah, comme vous commencez à en avoir marre, bah, vous changez, vous arrivez à incorporer des couleurs. Bon, bref, vous avez le concept. C'est un châle qui se prête énormément à un fade de mini. Et pour pouvoir vous aider à vous projeter, si jamais vous avez des restes ou si vous avez des couleurs qui se suivent dans un fade ou tout simplement d'une succession de couleurs que vous avez envie de mettre ensemble, ben sachez que je vous ai mis section par section combien de laine j'ai utilisé pour chacune des sections pour vous permettre d'utiliser vos restes, si jamais. Et donc vous le retrouvez dans ma fiche Ravelry et je vous mettrai le lien vers la fiche Ravelry. Il n'y a pas de photo sur ma fiche Ravelry. Mais il y a tout ce détail de section par section, combien de grammes il vous faut. Et quand il y a des sections à deux couleurs, ce qui est le cas par exemple pour cette section-là, il y a deux couleurs. Je vous ai mis combien de grammes pour la couleur 1 et combien de grammes pour la couleur 2. Donc une fois que je suis arrivée à la fin de mes restes de blanc, je suis passée sur la deuxième couleur qui, elle, était un reste de Arco Iris Yarn Ludivine du coloris Lane of Throne Maison Stark et que j'ai adoré tricoter. Et je me suis souvenue à quel point j'ai... Enfin, je m'en souviens de toute façon, hein, mais j'aime tellement le travail de Ludivine. Que voilà. Donc je trouvais que ça se prêtait bien à ce fade-là. Comme en plus, dans la laine... Je vais vous montrer parce qu'il ne me reste vraiment pas grand-chose et je suis tombée en panne. Dans la laine, il y a des zones de blanc. Voilà, de blanc. Donc ça se prêtait vraiment au fade. On s'est retrouvé avec une couleur bien marquée, mais ça se prêtait bien. Donc en plus, ici, vous avez des rangs, un rang sur deux qui est en coloris blanc et un rang sur deux qui est en coloris de suivant. Donc ça se prêtait vraiment bien. C'est un point ici que j'ai bien aimé faire, qui est très simple. Et qui donne un joli rendu. Et bien, arrivé à ce moment-là, ici, là, et ben, je suis tombée en panne de laine. Panne de mon coloris. C'est là où j'ai fait les mauvais calculs en me disant « Oh, Steven West, il va nous dire ça, c'est hyper large. » Mais en fait, non, pas du tout. Cette fois-ci, il a donné les vraies quantités. Et donc, forcément, panne. Mais c'est pas grave, parce que je suis allée tout simplement incorporer en avance mon prochain coloris, qui était un gris bleuté, de Laurel Knit aussi, une base en 85-15, une couleur toute douce. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais alterner un rang sur deux dans cette section là, ici là, donc c'est là dedans que je suis tombée en panne. Là, je suis sûre que vous voyez pas, mais j'ai inséré un rang sur deux là, le coloris suivant, donc ni vu ni connu, j'ai anticipé le changement de couleur. Donc ensuite, vous avez des points de gaudron. Donc là, bah, parfois, par contre, je suis arrivée directement sur ma couleur suivante. Et j'ai intégré, mais alors vous ne le verrez carrément pas parce que je viens juste de le faire, la quatrième couleur ici. Et cette quatrième couleur, je vous prenne les étiquettes, il s'agit d'une laine de chez Lichen & Lace. Je ne vous ai pas montré les étiquettes des autres. Je les ai encore, oui. Donc Laurel Knit, ça c'est son logo, Laurel Knit. Et c'est une teinturière qui a sa boutique sur Etsy. Encore une fois, je vous mets les liens dans la barre de description. Donc la couleur suivante, c'est un gris plus marqué de chez Lichen & Lace. Le coloris, c'est Pewter. Et on est sur une base single. Et donc je viens juste de démarrer le coloris. Ici, on est sur un gris nuancé. Plus marqué, plus foncé que l'autre. Vous voyez, on continue dans le fade.
Et je l'aime beaucoup. On est sur une base single aussi. Donc quand on dit single, c'est une base qui n'est pas retordue. C'est plutôt une laine un peu mèche. On dit parfois que c'est un petit peu plus fragile parce que c'est moins retordu. Moi, je ne trouve pas. Par contre, je trouve que ça a un drapé superbe. Quand vous faites des châles, n'hésitez pas à aller vers de la single. C'est vraiment un drapé. Il y a une douceur qui est bien plus agréable. Donc ensuite, quand j'aurai fini ce coloris-là, la bordure finale, là je viendrai avec vraiment du foncé. On est sur un gris anthracite nuancé, mais pareil, aussi de chez Lycanen Lace. Et cette fois-ci, on sera sur un coloris qui s'appelle Soot, toujours encore en single. Donc celle-ci, c'est pareil, j'ai un petit peu hâte de voir comment elle va se tricoter, parce qu'il y a beaucoup de nuances que vous ne voyez pas forcément à l'écran. Donc on est sur quelque chose de très sobre, avec une toute petite touche d'originalité qui est liée à celui-ci, hein, ce coloris à speckle, mais qui devrait être très facile à porter au quotidien parce qu'il s'assortira avec énormément de mes vestes, manteaux, vestes et manteaux, ou même, tout simplement, hein, bon, là peut-être pas, mais sur des pièces très, très sobres. Donc facile à assortir. L'originalité de ce modèle, elle vient de la succession des points, donc et du fait qu'on soit en fade. Là, pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une grosse zone blanche et après de la couleur, mais quand il y aura les couleurs plus foncées par la suite, eh ben, ce sera parfait. Donc là, j'en suis rendue avec plus de 400 mailles, donc ce qui fait que je ne peux plus vous le montrer, même sur mon câble le plus large. Je suis vraiment vraiment curieuse de voir comment je vais pouvoir porter ce châle en 2001. J'avais déjà fait le chalographie, mais il était plus petit, il me semble. Je m'en souviens plus, je l'ai offert. Mais voilà, on est sur des 2001. J'espère que c'est une forme de châle qui me plaira. Pour moi, ce sera vraiment la grosse surprise de voir en termes de forme ce qui me plaît. Je sais que j'avais expérimenté le châle en triangle asymétrique en début d'année avec le Odile Knits, le châle iris, et j'ai beaucoup aimé cette forme. Donc j'attends de voir maintenant 2001 ce que je vais aimer, je ne vais pas aimer. On verra bien. Donc voilà pour ce projet suivant. Et maintenant, je ne sais pas de quoi je vous parle, si je vous parle encore d'un châle ou si je vous parle de mon pull. Je sais pas. Alors vous allez le voir tout de suite. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Bon, et finalement, on reste dans les châles et on reste dans les mini-cales comme ça. De toute façon, le pull aussi, je le fais en mini-cales. Je tricote tout avec tout le monde. Moi, je suis pas sectaire, je suis une gentille dame. Donc, bon, allez, je vous montre mon châle vague à l'âme. C'est juste pour vous montrer où j'en suis en termes d'étapes. Donc, un châle de Aline Valentin, by Aline Valentin, que je tricote en mini-cal cette fois-ci avec Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Bisous ma Christelle. Et sur lequel, pareil, je fais voiture balai. Je vous disais que c'était au début, quand j'ai démarré ce projet, je pensais faire un peu le lièvre et la tortue, mais c'était sans compter sur ma proportion à me disperser et à papillonner d'un projet à l'autre. Donc ce châle, je le tricote dans des laines de Les Chevaux Solidaires. Est-ce que j'ai les étiquettes ici? Non, mais j'ai le logo ici, Les Chevaux Solidaires, dans deux bases. La première étant la base Equinox, qui est une base 50% YAC, 50%, pourquoi, voilà, 50% YAC, 50% soie, qui est une base fabuleuse. Encore, en fait, j'ai beaucoup de superbes bases aussi sur mes aiguilles en ce moment, hein. Je prends un plaisir fou. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous ai dit. Oh, j'adore en ce moment. Plaisir absolu. Ici, on est sur une base Nontin et c'est associé à un écheveau de Truffala qui est une base à poils. Qui est une... Alors, je n'ai pas l'étiquette ici, mais on est sur du alpaga en majorité, qui est un alpaga brossé, donc qui fait que c'est hyper poilu comme base. Par contre, c'est tout doux. Alpaga, un petit peu de mérino et je crois du nylon à l'intérieur. Donc vous voyez que mon
petit cake est un tout petit cake, tout simplement parce que j'ai fini la partie centrale de mon châle et je vais vous le montrer assez rapidement parce que ben, c'est juste un objectif d'étape. Mais en gros, c'est un châle que vous démarrez par la pointe avec un I-cord de chaque côté, du point mousse et un rythme d'augmentation, augmentation, augmentation qui n'en finit pas, qui n'en finit pas, qui n'en finit pas. Vous arrivez ensuite au moment où vous faites l'essence même de ce châle qui consiste à faire des vagues et donc à travailler les deux laines en même temps, donc le yak plus la base truffala, truffala, je sais plus, cette base à poils que vous allez intégrer avec un jeu de mailles allongées et de mailles non allongées qui va créer ces systèmes de vagues. J'ai bien aimé tricoter ça. Ça tombe bien puisque c'est le moment où je vais en retricoter. Donc une fois que vous arrivez à la fin des vagues, vous avez une partie centrale qui est réalisée en jersey, tout simple. Donc une partie centrale toute douce. Ici, on est sur le coloris, voire la vie en rose de la truffula. Si vous n'avez pas de truffala ou truffula, je ne sais plus, je ne sais jamais. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par de la suerie. En fait, la suerie, alors là, on est sur une épaisseur fingering. Sauf pour celle-ci qui a un grammage plus épais. Donc si vous changez avec la suerie, attention à ne pas vous retrouver avec une partie centrale qui soit disproportionnée par rapport au reste. Donc si vous voulez le faire en suerie, sachez que la longueur que vous avez au centre correspond à la longueur que vous avez au niveau des vagues. Donc je ne sais pas si ça vous aidera. Moi, de mémoire, j'ai 25 cm ou 26 cm sur la partie centrale. Et donc je suis arrivée maintenant au moment où je vais repartir sur les vagues. Donc une fois que j'aurai refait les vagues de l'autre côté, eh bien je referai la longue L en point de mousse qui n'était pas forcément la partie la plus passionnante. Par contre, je pense que ce sera plus sympa parce que je vais tout simplement partir sur une aile en diminution et donc je vais me voir avancer un petit peu plus rapidement. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur ce châle-là puisque c'était juste pour vous faire un objectif d'étape, mais je prends beaucoup de plaisir. Alors, j'aime beaucoup le tricoter, même s'il est très simple à certains moments, mais j'attends surtout de le porter parce que je pense que ce projet, je vais beaucoup le porter. De par sa structure simple, de sa versatilité en termes de portée, je pense que je vais pouvoir beaucoup m'entourer dedans. Et c'est un châle qui n'est pas très large. Et il doit faire 45-50 cm de large. Et donc, on sera sur un mode écharpe assez allongé. Donc, je pense que je serai assez contente de le porter et il sera facile à sortir. Bon, je vous emmène encore dans un projet. Allez, je vous fais encore un petit objectif d'étape sur mon pull, sachant qu'il n'y a pas forcément énormément d'avancées, mais je voulais vous en parler quand même. Et puis, il a l'air de vous plaire, ce pull-là, donc je vous emmène voir le Westerby. Every guy I met, we fell in love at a bad time. Alors ce dernier projet dont on va parler cette semaine, il s'agit du pull Westerby, comme je viens de vous le dire. Un pull dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, mais je voulais vous montrer mon avancée, qui n'est pas extraordinaire, mais qui va vous permettre de voir toute la palette de couleurs que j'ai souhaité intégrer dans ce pull. Donc le Westerby, c'est quoi? C'est un pull dont le patron est disponible sur Ravelry, en anglais, en français, en danois et dans d'autres langues, et qui a été designé par Théa Westerby. Ici, on parle du numéro 44, puisque ben, il s'appelle Westerby Créa numéro 44. Et je le tricote grâce à Christelle au fil des aiguilles, à qui je fais un bisou, qui m'a offert le patron dans le cadre des... pas des vœux de l'aîné parce que je n'y ai pas participé, mais qui m'a offert ce patron en fin d'année. Bien généreusement, je te remercie Christelle et je prends énormément de plaisir à le tricoter. Christelle, elle m'avait lancé un challenge, elle m'avait dit « Tiens, je vois qu'il est dans ta wishlist, je te l'offre, mais je te lance le challenge de le faire avec plein de couleurs différentes. » Plein de couleurs.
Et donc, j'ai voulu relever ce challenge. Challenge que j'avais de toute façon envie de relever aussi. Hein. Moi, j'avais envie de mettre un petit peu de couleur dans ma garde-robe. Alors, souvent, on me dit que j'ai beaucoup de neutre et tout ça dans ma garde-robe. Oui, c'est vrai, parce que j'ai pris le parti de d'abord créer un fond de collection et puis maintenant de venir avec des pièces un petit peu plus exotique ou avec plus de couleurs, donc ce qui me permet de compléter ma garde-robe voilà, avec des neutres et des moins neutres. Comme dirait Sophie au fil de la ruche, elle passe maintenant sur des choses sages pour compléter. Bah, moi j'ai fait d'abord le sage et puis maintenant je passe sur un petit peu plus de peps. Même si chasser le naturel reviendra au galop, hein, je fait plaisir quand même dans un peu tout finalement, j'aime un peu tout. Donc ce projet, je le réalise avec une base neutre. Alors d'abord, je le réalise dans le cadre d'un mini-cal. Et ouais, ce projet-là, je le tricote en duo, donc et ben pas avec Christelle, mais avec la teinturière Bicycle, à qui je fais un gros bisou et qui m'a envoyé un message en me disant bah, « Christelle, moi je tricote une version à l'opposé de la tienne, c'est-à-dire qu'elle a pris une base foncée dans laquelle elle amène d'autres types de couleurs et donc elle a un petit peu le miroir de ce que je réalise. » Alors elle est beaucoup plus loin, comme d'habitude je fais la voiture balai, moi. Multi en cours, on ne peut pas être partout, hein, donc on fait avec ce qu'on peut. Mais alors c'est rigolo parce qu'elle a choisi des couleurs totalement différentes de la mienne et finalement on retrouve quand même beaucoup la patte du pull. Donc moi je suis très loin derrière. J'ai pu maintenant intégrer toutes les couleurs et donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous attendez pas à ce que je sois, voilà, je suis toujours encore dans les augmentations du raglan. La semaine dernière j'étais venue vous montrer, j'étais arrivée ici où j'intégrais le bleu marine et donc je vais pouvoir vous faire toute la liste des laines que je vais intégrer au fur et à mesure dans mon pull. Voilà ce que ça va donner une fois tricoté. Donc je suis à peu près à la moitié du raglan. C'est un pull qui est complètement oversize, qui va finir avec plus de 500 mailles sur mes aiguilles avant de séparer les manches du corps. Donc voilà, j'en ai pour un petit moment, d'autant plus que j'ai pas envie de me presser, parce que clairement, je prends un plaisir fou à changer de couleur. C'est un jacquard qui est hyper facile, puisqu'on est sur un jacquard 1-1. Alors, l'une de vous m'a dit que ça lui rappelait le jacquard qui était sur la partie haute du pull Alpenglow que j'ai fait pour ma fille. Eh bien oui, totalement. On retrouve sur beaucoup de similarités par rapport à ce jacquard-là. Donc on est sur un jacquard 1-1. Moi, je suis hyper ravie de mon jacquard parce que il est super bien élastique. Je vais faire ma bonne podcasteuse et je vais vous montrer l'envers de mon jacquard. Il n'est pas beau, mon jacquard. Je trouve qu'il est super beau, il est super élastique. Je suis hyper contente de moi. J'ai fait des beaux, beaux, beaux progrès en jacquard. Alors, c'est un jacquard qui est hyper facile parce qu'on n'a jamais de croisement de mailles. Jamais, jamais, jamais. On est soit sur une alternance 1-1, soit ici, vous voyez, ici au début et à la fin, sur une alternance de 3 mailles neutres et une maille de couleur. Alors, tout en respectant le diagramme, puisqu'on est en quinconce. Et ben, ça permet vraiment de s'entraîner à fond sur le jacquard. Donc là, du coup, ben, même plus peur. Le jacquard sur des pulls, à moi, à moi, à moi. Bon, même si ça ne me faisait pas spécialement peur, le jacquard. Mais voilà, je voulais être sûre d'avoir une bonne tension. Et donc, bon, ben, c'est un pull qui se commence par le haut, mais qui n'a pas encore de col. Et franchement, là, ça commence à me fatiguer. Ça roule, on ne voit rien et tout ça. Donc clairement, ce week-end, je vais lui monter son col. Alors, Christine m'a dit qu'elle avait beaucoup resserré le col parce qu'il était un peu trop lâche selon elle. Je ne sais pas si je vais le faire ou si je vais vouloir garder cette encolure bien dégagée. Je pense que je vais avoir envie de garder cette encolure bien dégagée. Je vais réfléchir et je vous dirai, je vous montrerai ça dans les prochains épisodes. Alors maintenant, couleur. Couleur, parce que comme ça maintenant vous avez la gamme complète des couleurs que je vais mettre dans ce pull. Le petit bleu violet ici qui est au début, c'est un écheveau que j'ai teint moi-même selon une box de teinture que j'ai testée avec vous et voilà pour lequel, si vous recherchez, j'ai fait une vidéo pour cette partie teinture qui était dans un des vlogs et vous me voyez sur la vignette avec mon résultat de teinture. Donc je vous invite à aller le voir.
Je vous mettrai peut-être, si j'y pense, parce que sinon je ne vous pas y penser, je vous mettrai peut-être un lien vers la vidéo ici ou ici, je ne sais plus. Ah si, côté alliance, ici. Ouais, c'est ça, ici. J'ai un mémotechnique que l'une de vous m'a dit. Sache que les i ou les fiches d'information apparaissent du côté de l'alliance, ici. Puisque je porte mon alliance. Bon, bref, si vous n'avez pas d'alliance, c'est ballot, hein. Ça ne marchera pas. Bon, donc le bleu, une couleur que j'ai teinte moi. Ensuite, la couleur suivante, ici, là, qui est un petit peu variée, c'est un écheveau de chez Au Fil de Russe qui donne ceci. Alors, attendez, parce que j'ai plein de laine. Qui donne ceci, qui est un des mini que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de cette année de Didier Au Fil de Russe et que je trouve super beau. Ensuite, je lui ai rajouté la couleur suivante, c'est... Non, pas celui-là. Où est-il? Ah, bah, je suis en train de le tricoter, quelle nouille. C'est là aussi un mini Au Fil de Russe. Et alors, on retrouve dedans du jaune et des pops de couleurs. Et je me rends compte qu'il va falloir que je termine rapidement ce podcast parce que la luminosité descend. C'est pénible de vous tourner tous ces épisodes en hiver. Et c'est aussi la raison pour laquelle je préfère les saisons avec des jours un peu plus longs. C'est que j'arrive pas à vous tourner un épisode sans qu'on ait un changement de luminosité majeur et donc forcément un rendu des couleurs qui soit différent. Donc là, ça va encore, mais je sais que dans 20 minutes, c'est fichu. Donc voilà, Au Fil de Russe, un coloris du mini, un mini du calendrier de l'Avent, lui aussi. Ensuite, eh bien, je suis repartie avec du bleu. Donc j'ai pris l'option, à chaque fois que j'ai une nouvelle répétition de motif, de démarrer avec un bleu, et un bleu différent à chaque fois. Donc le suivant, c'est celui-ci. C'est un coloris de La Fée Fil, j'ai l'étiquette. La Fée Fil, et le coloris, c'est Marée Magnum. Parce que je voulais un petit peu de peps quand même, pas d'avoir que du clair. Le suivant qui est ici, cette fois-ci, c'est aussi un jaune, et cette fois-ci, c'est du Arco Iris Yarn, et là, c'est le mini qu'il y avait dans la box Baratheon de Land of Thrones, et donc j'ai séparé le mini de l'écheveau complète, tout simplement parce que j'ai un projet bien précis pour l'écheveau, mais je vous en reparlerai. Le petit dernier, là, qui fait des changements de couleur, qui passe du bleu au orange, c'est, alors ça c'est mon petit favori, c'est un des écheveaux qui était à la fin du calendrier de Didier Au Fil de Russe. Donc moi j'avais pris une version avec 5 écheveaux de 50 grammes le dernier jour lors du 25, et donc j'avais reçu 7 écheveaux auxquels j'adore le mélange de couleurs qui passe du orange pop au bleu foncé en passant par les gris, les jaunes, et je le trouve absolument fabuleux, et donc j'ai voulu le mettre dans ce pull là et je trouve qu'il prend toute sa place. Ensuite, vous avez, donc j'ai redémarré ensuite, donc j'avais une version un peu demi-claire, une version avec un bleu intense, cette fois la troisième, j'ai voulu passer sur un bleu clair. Et là aussi, ben, je suis passée sur un bleu que je ne trouve pas. Où est-il? Est-ce que c'était celui-là? Voilà. Il y a trop de petits, il y a trop d'écheveaux là, trop de couleurs. Donc cette fois-ci, je suis passée sur un reste. Et ce reste, je me suis rendu compte que je l'avais dans mon stock quand je vous ai fait le vlog où je vous parlais de comment j'organise mes restes. Je suis tombée sur celui-ci ainsi que celui-ci qui était dans ma boîte à reste. Et en regardant l'association avec le pull, eh bien c'était des types de bleus et des types de couleurs qui s'associaient parfaitement. Donc j'ai intégré celui-ci. Donc ces deux-là, c'est des restes d'une teinturière anglaise avec qui j'avais ouvert... j'avais acheté un kit en fade avec 5 bleus. Juste des restes de laine à chaussettes. Ensuite, le coloré ici, là, qui fait des grosses touches d'orange pop. Là aussi, on est sur du Au Fil de Russe. Là aussi, j'adore. Un orange pop, mais alors vraiment pop. Sur une base de jaune un peu plus douce et neutre, mais ce coloris là je l'adore aussi. Alors, certainement pas mes couleurs en termes de rendu, ça risque de me faire pâle, mais on verra bien. Et ensuite, eh bien, une fois que j'avais mis le bleu, le pop, il fallait passer sur du plus
doux, mais je ne me suis pas résolue à passer sur du plus doux. Et donc, j'ai intégré un hyper varié aussi, qui passe du orange au bleu. Mais au bleu clair, cette fois-ci. Et du coup, ça m'a permis de faire la transition avec le dernier motif que je suis en train de tricoter. Et dans ce dernier motif-là, eh bien, je suis repartie sur la même alternance de couleurs qu'au début. Donc je suis repartie sur mon écheveau que j'ai teint moi-même, que j'ai tricoté là. L'association avec celui-ci. Et donc en ce moment, et c'est pour ça que je ne le trouvais pas, je suis en train de tricoter le dernier mini Dophilurus. Donc dans ce sens-là. Donc c'est un modèle qui est assez simple, hormis le jacquard et l'association des différents types de laine. On est sur une augmentation raglan et vous faites les couleurs qui partent à droite à gauche de ce raglan. Je trouve que ça fait un rendu super chouette. Ça va paraître interminable parce que j'ai décidé de ne pas le tricoter trop rapidement non plus. Donc je tricote une couleur à la fois, une couleur par jour. Et ça avancera comme il le faut. Alors certainement qu'à un moment j'en aurai marre et que je vais avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, sur le dernier projet dont je voulais vous parler, je voulais vous en parler rapidement finalement. Je me suis de nouveau laissée aller à la longueur de ma pipelétude. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec ou sans vos aiguilles. Moi, je vous retrouve mercredi avec un épisode spécial dédié aux talons de chaussettes, tout ce qu'il faut savoir sur les talons de chaussettes. Puis, je vous retrouverai dimanche prochain avec un nouvel épisode de vlog, de podcast. Et puis après, on verra la surprise. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired.